Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va réaliser un sac plutôt pratique parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi mais lorsque je suis invitée je n'aime pas arriver les mains vides alors souvent on offre des fleurs ou une bouteille pourquoi pas alors j'ai réalisé ce beau petit sac avec une forme qui s'apprête bien à recevoir le petit cadeau qui va bien, pratique, on peut le glisser à l'intérieur. Ainsi, on peut transporter, on n'est pas obligé de l'emballer. Emballer une bouteille, c'est toujours très compliqué. Hein. Si vous êtes un peu comme moi, avec les emballages et le scotch, on s'en mêle un petit peu. Là, pour le coup, vous avez juste à la glisser dedans. Et en plus, avec une technique patchwork, c'est plutôt cool comme cadeau. D'autant plus que les personnes, une fois qu'ils l'ont reçu, à leur tour, peuvent le distribuer. Ainsi, ça peut faire peut-être le tour de la Terre, qui sait. Hein. Donc voilà, juste le temps, bah, écoutez, maintenant, de rassembler tout mon petit matériel pour une technique patchwork bien élaborée. Je vous retrouve de suite pour ce cours complet. Alors, je vais vous montre en détail ce sac hein, parce que je vous ai pas tout dit donc je vais pas boire un coup devant vous hein, même si j'ai envie de fêter la bonne année avec vous mais ce sac en fait il est recto verso alors j'ai pris la plus grosse que j'avais dans ma cave pour justement concevoir ce sac ainsi vous n'aurez aucun souci j'ai pris aussi une très haute comme ça et eh ben écoutez vous allez pouvoir avoir un sac qui s'adapte à tout type de bouteille alors l'avantage aussi de ce sac c'est que vous pouvez le faire en recto verso. Donc, comme il n'a pas de coutures qui sont apparentes, à part l'ouverture ici, soit vous la fermez avec donc, un petit point invisible, c'est ce que je ferai plus tard. Ainsi, je pourrais l'avoir en recto verso. C'est-à-dire que ce sac, soit vous le faites avec la technique patchwork, soit vous pouvez le faire avec deux tissus unis. Ainsi, vous avez déjà un aperçu de ce qu'on peut obtenir avec ce sac. L'avantage de ce cours aujourd'hui et surtout la particularité, c'est bien entendu la technique patchwork. Et je trouve que cette technique patchwork lui confère quand même une élégance à ce sac. Ainsi, vous aurez quelque chose de travaillé, fait avec une technique toute simple, juste avec des bandes de tissu. Vous avez certainement remarqué eh bien, qu'on a des bandes qui partent et dans un sens et dans l'autre, pour lui donner un côté charme. Ainsi, on obtient un patch qui est élaboré. Et vous avez vu que ici, bah, j'ai mis une bande plus claire pour apporter un contraste. Mais après, c'est bien entendu à vous de composer avec ce que vous voulez et ce que vous avez surtout dans l'atelier. Parce que vous pourriez très bien prendre plusieurs couleurs. Vous avez des restes de bandes de 6 cm, et bien vous utilisez tout ce que vous avez dans l'atelier pour pouvoir faire ce sac. Et ça peut faire quelque chose vraiment d'extraordinaire avec plusieurs imprimés. Moi j'en ai utilisé 3, mais vous pourriez très bien n'en utiliser que 2. Voilà, parce que cette bande-ci, c'est optionnel. Vous pouvez réutiliser soit le rouge, soit le vert pour venir continuer. Donc dans la même logique. Et puis pour glisser, alors j'ai fait en sorte, vous voyez qu'il y ait suffisamment d'hauteur pour qu'on puisse avoir une bouteille qui soit bien protégée, mais aussi pour qu'on puisse la glisser facilement. Car ainsi, regardez, en la basculant légèrement, on la met bien à l'intérieur sans qu'on ait besoin de faire toute une manipulation, le baisser ou quoi que ce soit. Ça rentre directement parce qu'on a une belle ouverture ici qui permet l'emboutissement très facile de la bouteille. Et je trouve que c'est vraiment idéal, surtout en fin d'année. Hein, donc on aime bien aller voir nos amis. Et bien comme ça, on a quelque chose de super sympa. Ça fait un cadeau dans le cadeau et c'est plutôt pas mal. Alors, il va falloir déjà dans un premier temps que vous téléchargez le patron. Vous le trouvez bien entendu sous la vidéo, hein, donc c'est des questions qui reviennent systématiquement. Le patron est sous la vidéo, vous n'avez plus qu'à ensuite à le télécharger, il faut le télécharger avant de l'imprimer. Soit vous l'enregistrez sur votre PC et puis vous venez l'imprimer après, soit vous le téléchargez et vous l'imprimez directement. Ça va de soi. Alors, vous avez dans un premier temps dans le patron, alors vous aurez des petites photos, ça va de soi. J'ai pas eu le temps encore de les mettre. Parce que j'attends toujours de finir le projet que je fais devant vous. Mais vous avez dans un premier temps un schéma. Qui dit schéma, ça veut dire que ce n'est pas un patron à couper à taille réelle. C'est un schéma qu'il faudra reproduire. Alors vous allez le reproduire, vous allez faire comme moi. Hein. J'ai donc fait un demi-plan avec une dimension de 44,5 par 20. Ce qui représente donc la moitié du schéma. Puisque vous avez une longueur totale de 89 cm par 20. Ensuite, vous avez des lignes médianes. La première, il ne faut pas en tenir compte, hein, parce qu'au départ, j'ai réajusté mon patron plusieurs fois avant que je tombe bien comme il faut pour avoir un très beau patch, pour qu'on ait une continuité, si vous voulez, dans les petites bandes qui sont apposées. Vous allez voir que ça va être très facile. Il vous suffira juste de faire un plan complet de 86 ou alors 44,5 comme moi j'ai fait par 20. Et ensuite, bah, on aura juste à doubler. Hein, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et ensuite, de venir reproduire toutes les indications. Vous allez faire dans un premier temps d'ici à ici, on a 19 cm.
voyez, d'ici à ici. Ensuite, d'ici à ici, on a 6,5. Alors, à plus ou moins, parce qu'il se peut que je le rectifie encore, parce que je ne me souvenais pas, parce que moi, j'ai fait ça, donc, voilà, hein, mes prototypes, et puis, je n'ai pas forcément noté la bonne dimension. Donc, s'il y a une rectification à faire dans le plan, je vous l'apporterai, ça va de soi. Si ce n'est pas 6,5, c'est 6, eh bien, en cours de vidéo, je réajuste mon patron pour que vous ayez quelque chose de parfait. Parce que je ne me souviens plus vraiment si j'avais noté 6 ou 6,5. Donc, on verra ça en cours de vidéo. Mais toujours est-il que les lignes seront à faire de la même manière, quelles que soient les dimensions. Donc, alors, vous avez 6,5 ici. Ici, c'est sûr que c'est 0,8. Vous voyez, vous avez ici un petit laps de... Vous voyez, ici à ici, on a 0,8. D'accord, 0,8 cm. Et ensuite, vous devez obtenir ici 19,20. Donc, qui fait la différence pour qu'on obtienne les 20. Puisque vous l'aurez compris qu'ici, on a 20 d'un bout à l'autre. D'accord. Alors ensuite, ce que vous faites, vous mettez toutes ces petites marques, puis vous n'avez plus qu'à relier comme ça, à relier comme ça, comme vous l'avez ici sur le schéma. Une fois que vous avez fait votre petit schéma, vous allez prendre un molleton et vous allez faire la même chose. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, j'ai bien les 86 cm de long. C'est-à-dire que je vais prendre mon gabarit, une fois que j'ai fait mon petit gabarit carton, ça aide bien, surtout pour couper sur du molleton. Vous allez... le tracer une première fois. Alors, prenez un feutre pour le faire. Vous mettez les petites marques ici, ici et ici. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à relier. D'accord? Comme je l'ai ici. Donc, vous voyez que j'ai exactement le même schéma que vous avez ici. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, eh ben, je fais l'effet miroir pour avoir toute la longueur, tout simplement. Donc, de faire un demi-plan, c'est très bien. D'autant plus qu'on ne trouve pas forcément des grands cartons. Alors, faites un demi-plan comme moi. Hein, 44,5 par 20. Et au final... lorsqu'on a fait l'effet miroir, on a bien les 86 par 20 avec toutes les marcations que je vous ai mis dans le schéma. Et ça, on réserve pour faire la partie principale. Ça va de soi que pour celles qui veulent faire une partie unie, eh bien, vous ne tenez pas compte des informations que je viens de vous donner puisque vous aurez un sac comme je l'ai retourné tout à l'heure avec une partie unie d'un côté et puis de l'autre. Donc, vous pourrez éventuellement le faire pour un cadeau qu'on veut faire comme ça à la hâte, sans technique patchwork. C'est faisable. Ainsi, vous aurez toujours un sac à portée de main, rapide à faire, parce que vous allez voir que c'est très rapide. Sans la technique patchwork, c'est vraiment très, très, très rapide. Ensuite, je vous dis qu'une fois que vous avez préparé le molleton, vous aurez à couper des bandes. Alors, vous allez voir que pour aujourd'hui, je vais réutiliser le reste de bandes que j'ai ici, comme ça je ne fais pas de gaspillage, je le réutilise dans une autre création, c'est ce que vous ferez certainement. Ainsi vous ferez deux sacs et puis vous en aurez toujours un, voilà, toujours à disposition. Je vous conseille même d'en faire plusieurs, comme ça quand vous êtes invité, bah, vous avez toujours un sac à disposition. Et d'autant plus que ça va très vite à faire et le patch est super agréable à faire. Une fois que vous avez toutes ces lignes, eh ben, ça va tout seul, hein, vous allez voir. Ensuite vous aurez deux bandes de tissu à couper de 6 cm sur la largeur de votre tissu, donc... je vous ai déjà montré comment on coupe de grandes longueurs. Il y a une vidéo qui va très bien lorsqu'on avait fait les sangles, le sac rond, exactement. Je vous mets la vidéo en lien. Je vous montre comment on coupe de très grandes longueurs de tissu avec un cutter rotatif, avec une règle à patchwork et un plan de coupe. Mais vous pouvez aussi le faire avec une règle et en utilisant le bord de votre table pour aligner votre tissu, vous arriverez bien entendu à couper de très grandes longueurs de tissu. Là, en l'occurrence, j'ai vraiment eu besoin de deux bandes. Une fois que j'aurai fait le patch, il restera un petit surplus. Bien entendu, on garde toutes ces chutes et puis ça nous permettra de faire d'autres ouvrages. Ça va de soi. Et vous verrez qu'avec le patch qui va nous rester, il va nous rester un petit bout. Hein, donc, je vais essayer de vous faire une petite pochette. Comme ça, vous n'aurez pas de gaspillage. Ainsi, vous verrez qu'on peut tout récupérer. Donc, je vais étudier pour faire une petite pochette avec les restes qui nous restera de cette latérale-ci. Hein, donc, comme ça, eh bien, pas de gaspillage. Et on peut tout réutiliser. Alors, deux bandes d'un coloris, deux bandes de l'autre. Alors, je vous recommande, bien entendu, deux couleurs contrastantes. Parce que dans le patchwork, lorsqu'il y a du contraste, eh bien, on obtient quelque chose qui est juste phénoménal. Et, bien entendu, vous essayez d'avoir les mêmes coloris d'un patch à l'autre. Là, si vous regardez bien, on a le rouge, on a le blanc et on a le doré. Qui va se retrouver dans ma troisième bande, ici. Vous voyez, le jaune doré. Donc, il y a un petit peu de doré. Hein, donc, vous ne voyez pas vraiment sur le bleu marine.
Mais je pense que les trois coloris se marient parfaitement bien. Essayez de les mettre. Moi, ce que je fais quand je prends des tissus comme ça, eh bien, je choisis d'abord la couleur principale. Ensuite, je prends la deuxième secondaire qui vient en complément de la deuxième. Et puis la troisième qui vient en complément d'une des deux. Donc voilà. Et ainsi, en les mettant côte à côte, on voit bien que on obtient une belle harmonie. C'est comme ça que je fais pour choisir mes tissus. Donc, et puis je vous dis bien entendu que si vous avez besoin, vous voulez faire le patch, eh bien, entendu, il faut le molleton, hein, préparer comme on vient de le faire. Et puis, si vous voulez le faire juste avec une partie principale, eh bien, vous préparerez, bien entendu, deux fois, idem à la doublure, ce qu'on va voir maintenant. Parce que pour la doublure, vous aurez besoin du gabarit. Alors, le gabarit, il est comment, ce gabarit? Vous avez deux parties. Je n'ai pas pu tout mettre dans une seule feuille. Et puis, comme moi, j'aime bien les impressions en A4, ça évite d'avoir des A3 et compagnie. Alors, j'ai subdivisé mon patron. Et vous aurez bien entendu à couper. Donc là, je ne vais pas le couper devant vous. Vous avez la lettre AA. AA, et je vous dis quoi? Unir AA avec AA. Alors, quand on dit unir AA avec AA, ça veut dire qu'il va falloir mettre sur la partie hachurée. Et puis, vous aurez un plan complet qu'on retrouve ici. Alors, je vais le vérifier devant vous. Si jamais vous avez quelques millimètres d'écart, c'est normal par rapport à moi. C'est possible parce que quand on redimensionne, eh ben, on n'obtient pas forcément la même chose. D'accord? Donc, voilà. Éventuellement, je vais peut-être l'agrandir un petit peu. Vous voyez, pour qu'on ait quelque chose de... Vous voyez, il manque quand même pas mal. Donc, je vais réajuster le patron pour que vous ayez quelque chose de vraiment similaire à moi. Parce que sinon, après, avec le patch, ça risque de pas bien caser. Donc, je vais le rectifier pour que vous ayez quelque chose de propre, bien entendu. Mais, voilà, le principe reste même. Il faudra tenir compte des parties hachurées pour venir superposer et obtenir un plan complet. Ensuite, je vous dis, dans la page suivante, les instructions qu'il faudra pour le sac. Donc, vous aurez besoin de ceci, vous aurez besoin des bandes, mais vous aurez besoin aussi d'une doublure. Alors, comment je fais ce genre de choses? C'est un demi-plan. Ici, je vous ai mis doubler le tissu, c'est-à-dire que vous allez prendre le patron, vous allez tracer sur l'envers de votre tissu, et puis ensuite, vous allez faire un effet miroir à partir de là, et puis vous obtenez votre partie principale complète. C'est important qu'on ait vraiment les deux tissus qui soient unis, pour qu'on ait quelque chose de réversible ensuite et qu'on n'ait pas de couture ici ni dans les contours. Là, vous avez remarqué que je n'ai aucune couture disgracieuse dans ma création. J'en ai pas ici, j'en ai pas ici tout le contour, ni ici. Donc voilà, sur la partie supérieure, pour avoir quelque chose de propre. Et bien entendu, si vous décidez de ne pas faire la technique patchwork, eh bien vous couperez une partie principale identique à la doublure que je viens de vous montrer. Donc voilà, pour ce qu'il en est de tous les éléments. Ensuite, je vous dis ce qu'il faut en termes de matériel. Alors, il y a une des questions qui revient souvent, donc je le répète systématiquement, donc je vais le répéter encore une fois. Le molleton que j'utilise, c'est celui-ci. Il est de très belle qualité, même si je trouve que Viseline a diminué en qualité. Je trouve que plus ça va, plus on paye cher, et plus la matière... diminue en qualité. Je trouve que c'est un peu plus fin que d'habitude, mais il y a tout de même toujours une très belle tenue, même si c'est du 279 coton mix 80-20, c'est ce que j'utilise, et je vous le mets toujours dans le patron. Donc, pour celles qui me disent « Oui, qu'est-ce que vous utilisez ?» Vous l'avez toujours dans le patron. Et ça se présente comme ça. Alors, vous avez une belle longueur, hein. Donc il y a de quoi faire, hein. Il y a 2,20 m par 2,70 m, hein, quand même. Donc, il y a quand même pas mal. Vous pouvez faire pas mal de choses. Et en général, c'est moins de 40 € chez Rascol. Donc, voilà. 38 € et des poussières. Enfin, bref, voilà. Vous regarderez. De toute façon, de temps en temps, je vous les mets en lien. Parce que c'est le moins cher que j'ai trouvé, c'est chez Rascol. Donc, j'essaye de vous mettre toujours les moins chers, hein. Donc, après, je ne fais pas tous les sites non plus, hein. Donc, après, c'est à vous de chercher aussi, hein. D'accord? Ensuite, je vous dis qu'il faut un cutter rotatif, qu'il faut une règle, qu'il faut... Voilà, il ne faut pas grand-chose, hein, pour le faire, hein. Vous avez vu? Techniquement, c'est vraiment pas grand-chose, hein, pour faire ce genre de petit sac. Et ensuite, je vous mets en dernière page un verset qui dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Ça veut dire tout simplement que, bah, écoutez, on doit briller face aux autres. On doit donner de l'amour. Et plus on donnera de l'amour, et plus on va illuminer le monde.
Tout simplement. Et moi, maintenant, ce que je souhaite faire, eh bien, écoutez, c'est de poursuivre ce cours et je vous retrouve dans la partie couture. Alors, à tout de suite. Eh bien, on va commencer à faire le patch. Alors, pour commencer ce patch, on ne commence pas par ces bandes-ci parce que celles-ci, ce sont celles qui vont couvrir celles-ci. Alors, on va commencer par toutes ces obliques, comme ça. Et vous, si vous avez remarqué, c'est en un seul bloc et ça va nous permettre d'arriver de l'autre côté. Et c'est cette bande-ci et les suivantes qui vont venir ensuite dans les prochaines étapes. Alors, on va commencer. Alors, vous avez vu qu'on a commencé par faire des lignes. Alors, ces lignes, celle-ci, c'est celle qui va recevoir les bandes qu'on trouve ici. Et à partir de là, on va pouvoir commencer notre patch. Alors, comment on fait? On va commencer dans un premier temps par couper la lisière. Alors, vous essayez de couper droit, mais bon, si vous n'avez pas coupé droit, c'est pas gênant. Vous vous prémunez d'une petite paire de ciseaux parce qu'on va en avoir besoin tout du long. Parce qu'avec une technique patchwork avec des bandes, eh bien, ça nécessite beaucoup de découpage de tissu. Vous allez dans un premier temps positionner un peu plus bas que la ligne, hein, comme ça, la première bande. Alors, vous voyez, ça dépasse légèrement, mais ce n'est pas grave. Hein, parce qu'au fond, ce qui compte, c'est cette ligne-ci. Hein, d'accord? À la rigueur, cette ligne-ci, on n'était pas vraiment obligé de la faire. Mais bon, ça donne quand même un indicatif. Vous allez ensuite mettre des épingles. Sinon, vous n'allez pas voir comment vous allez coudre. Comme ceci. Pour bien maintenir le temps que vous tourniez au moins. Et ensuite, vous allez coudre ici. Alors, vous vous mettez bien en alignement. Vous faites en sorte que ça arrive vraiment dans la pointe ici. Vous voyez, à 6,5, j'étais bien, hein, 6,5. Donc, je vous laisse ça les dimensions que j'ai notées. Hein. Donc, je ne modifierai rien dans le patron. Logiquement. Hein. Donc, on va voir jusqu'au bout. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez? Ensuite, vous allez retourner et vous allez faire une petite couture ici pour vous aider à bien maintenir. Alors, vous faites moins que le trait, par contre. Hein. Regardez, c'est vraiment pour maintenir. Hein. Regardez, vous voyez, le trait, il est là. Je vous montre, je vais aller plus loin. Hein. Comme ça, vous allez voir. Regardez, vous voyez? Vous voyez que je l'ai légèrement dépassé. Hein. Ensuite, vous allez retourner. Et vous allez coudre le bord. Ici. Et on a amorcé notre patch. Ensuite, une fois que vous l'avez à l'envers, vous prenez la paire de ciseaux. Et vous commencez à découper. Et le plus difficile effet, c'est commencer un patch. Donc là, j'ai commencé par le bleu. Hein. J'aurais pu commencer par le rouge. Hein. Peu importe, hein, de toute façon. Vous voyez ce qu'on obtient. Alors moi, il n'y a pas de sens dans mon tissu. Hein. Vous voyez, j'ai des cloches à l'envers, des cloches à l'endroit. Donc voilà. Hein. Si vous avez un sens de motif, bien entendu, faites attention de mettre bien dans le sens du motif. Hein. D'accord? Mais bon, pour ce genre de petit projet, je vous recommande d'avoir un tissu qui n'a pas de sens de motif. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous n'avez pas à vous poser de questions. Ensuite, pareil, vous allez prendre la deuxième bande. Vous allez couper la lisière. Et vous allez comprendre qu'après, c'est assez répétitif. Donc, je ne vais pas tout faire devant vous. Parce que sinon, demain, on y est encore. Hein. Donc, voilà. Ensuite, vous allez positionner la deuxième, comme ceci. Vous allez faire une simulation pour voir que ça arrive bien en dessous du trait. Vous voyez? Donc, moi, en l'occurrence, normalement, si vous l'alignez, vous voyez, je le mets toujours un petit peu plus bas. C'est pas grave. Je préfère, vous voyez? C'est légèrement plus bas que l'autre, mais c'est pas grave. Et par contre, je la mets bien dans l'alignement de la bande précédente. Vous voyez, il faut vraiment que ça, on soit dans l'alignement. Et puis, je viens et je tourne. Et je viens faire cette fois-ci. Vous avez vu que là, j'ai fait moins qu'un pied de machine. Hein, je ne vous l'ai pas dit, mais c'était vraiment bord à bord. Hein. D'accord? C'est une couture qu'on ne doit pas voir. Par contre, les prochaines, eh bien, on va les faire avec une marge de 1 quart. En patchwork, on utilise des mesures à 1 quart. Et ça va de soi que j'ai tout calculé avec un pied à 1 quart. Donc, ne prenez pas votre pied de machine. Parce que sinon, vous allez avoir des décalages et vous n'arriverez pas au même résultat que moi ensuite. Hein. On obtient ce genre de choses. Et ensuite, on déplie. Et on obtient ça. Prenez vos ongles hein, ou un frottoir. Et ensuite, une fois que vous l'avez bien mis à plat, vous venez faire une petite couture de sécurité. Pour maintenir votre bande, tout simplement.
et vous faites une petite couture de sécurité. Alors, je vais faire 2-3 petites bandes avec vous, puis après, c'est le même principe jusqu'à la, avant qu'on arrive à la fin, que je vous montre. Ici, pareil, hein, vous mettez une petite couture de maintien hein, pour maintenir votre tissu. Alors là, j'étais vraiment descendue très bas, mais c'est pas grave, on ne le verra pas. Hein. Puisqu'après cette ligne, on va la redessiner. Vous allez voir tout à l'heure comment je vais vous montrer ça. Pour qu'on ait quelque chose de bien propre. Ensuite, vous retournez de la même manière votre ouvrage. Vous venez et vous mettez une petite couture de maintien aussi. Hein. Vous voyez que là, c'est vraiment proche du bord. Hein. Voilà, moins qu'un quart, hein, les coutures de sécurité et de maintien. Ensuite, vous allez couper. Alors, je vais faire encore une bande avec vous et puis ça va être pareil jusqu'à l'avant-dernière où on va arriver de l'autre côté où il faut que je vous montre. Alors ensuite, on va prendre l'autre coloris. Alors vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, je joue avec deux couleurs. Je trouve ça plus joli, mais bon, après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez prendre toutes les chutes que vous avez. Vous voyez, alors je vais prendre dans ce sens-là. Ça me paraît bien. Je vais bien la mettre en alignement. Alors, là, je n'ai pas coupé le bord de la lisière. Hein. J'ai repris le tissu dans l'autre sens. Donc, alors, je vais couper quand même la lisière. Voilà. Ne gardez pas la lisière. Hein. Surtout pas. Vous mettez bien en ligne droite avec votre bande que vous venez de faire. Surtout, c'est très important. Vous faites votre marge un quart. Cette fois-ci. Lorsqu'on assemble les bandes, eh ben on met une marge à un quart. Lorsqu'on veut les maintenir, on met une couture de sécurité. Et j'emmène ça jusqu'au bout. Ensuite, je la déplie. Voilà. Hop. Et je viens mettre une petite couture de sécurité. Et zou, j'emmène ça jusqu'au bout. Voilà. Et je reviens ici, pareil, je mets une petite couture de maintien. Voilà, moins que le trait, hein. Toujours. Hein. Voilà. Je retourne l'ouvrage de nouveau. N'oubliez pas de faire toutes ces coutures, comme ça, ça vous permet de couper les bandes droites et ça vous maintient déjà tout en place. Ainsi, voilà, c'est des étapes que vous devez suivre comme je vous les donne. Hein. Hop, et ensuite vous pouvez couper. Alors je vais en faire une dernière avec vous parce que je vous montre parce que maintenant on a la bande qui a une pointe. Comme je l'avais pris dans le mauvais sens, vous voyez que maintenant on a des pointes. Que je vous montre comment ça se passe lorsqu'on a une pointe. Vous voyez là on a une pointe. Hein. Donc, je vais vous la positionner et puis après vous, les prochaines étapes vous aurez compris. Et bien vous allez tout simplement, regardez, mettre ici en alignement. Vous voyez ? Vous allez laisser dépasser la pointe. Puis vous viendrez couper le surplus. Et ces petites pointes, bah vous les gardez pour faire d'autres ouvrages, faire du crazy ou ce que vous voulez. Vous voyez comment je la positionne? Alors j'essaie de la mettre voilà, à peu près au même niveau. Et hop, et zou, la marge à un quart. Comme ça, je vous montre toutes les étapes. Comme ça, vous êtes sûr que... Vous voyez, là en plus, on a la ligne ici qui indique bien où on doit commencer à coudre. Et puis le reste, on aura à couper. J'emmène jusqu'au bout et je vais vous montrer comment je coupe ça. Je viens, je déplie. Vous avez vu la pointe là? On aura la coupée tout simplement. Et bien hop, je démarre un peu plus bas. Je fais une couture de maintien, moins qu'un pied de machine. Et on y va jusqu'au bout. Ici, vous arrivez, alors vous pliez comme ça pour éviter de couper votre molleton. Hein. Surtout, n'allez pas le couper. Hein. Voilà. Et puis, vous allez mettre votre petite couture de maintien. Et on a toujours de la perte hein, dans ce genre de bande oblique. Hein. Voilà, on aura des petites pertes comme ça. Mais vous les gardez, ça sert pour d'autres projets. Puis, de la même manière que ce qu'on a fait tout à l'heure, hop, on vient... Et on met la petite couture de sécurité et on découpe. Et vous avez commencé à faire votre patch. Alors, ce que je vais faire maintenant,
parce que hors caméra, parce que je ne vais pas tout faire devant vous, parce que sinon, ben, y a quand même une belle longueur. Je vais vous retrouver dans je ne sais pas combien de bandes, hein, je crois que c'est 9. Il m'en restera encore 9 à faire, je crois. Je ne suis pas sûre, donc je ne les ai pas comptées. Mais je vais m'arrêter avant l'oblique, ici. Donc, je vais faire cette étape-ci. Et au moment où il faudra s'arrêter, je vous compterai le nombre de bandes pour que vous ayez le nombre de bandes exact pour ce patch. Alors, à tout de suite. Voilà ce qu'on obtient lorsqu'on a posé les bandes dont on a besoin. Il en faut 13, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5 et puis jusqu'au bout, il y en a 13. Quand vous arriverez au bout de la 13e, eh bien, il vous restera deux pointes. Donc, on viendra après réajuster le molleton si besoin dans la longueur. Hein. Donc, ensuite, ce qu'il faudra faire, vous voyez qu'ici, on n'est pas droit finalement puisqu'on a démarré. C'est ici qu'on a démarré. Vous allez de nouveau reprendre votre gabarit. Alors là, moi, je l'ai déjà fait hein, parce que comme ça, je suis à plat. Vous positionnez votre gabarit. Vous faites une petite marque ici, une petite marque ici. Et puis, vous reliez avec une ligne droite ici avec le minecraft. Vous la voyez la ligne, hein, on la voit pas très bien, mais on la voit quand même. Pourquoi cette ligne? Tout simplement pour avoir quelque chose de droit lorsqu'on va venir positionner cette bande-ci. Alors, à savoir, là, vous pouvez très bien redémarrer avec n'importe quelle couleur si vous voulez. Mais vous n'aurez pas le même contraste qu'on a ici. Vous pourriez très bien reprendre une des deux couleurs. Hein. À vous de voir. Moi, eh bien, je vais prendre quelque chose de contrastant qui va faire le même effet qu'on a ici. Alors, comment je fais? Vous voyez, une fois que j'ai la ligne qui est bien là, positionnée, eh bien, je pars dans l'autre sens cette fois-ci. Je la mets comme ça. Je vais les mettre toujours endroit contre endroit. Hein. Et je vais suivre la ligne, tout simplement. Hein. Je mets mon tissu dans l'alignement de la ligne que je viens de tracer. Alors, je vais essayer de me mettre bien droite. Je fais dépasser un petit bout pour que lorsque je vais déplier, eh bien, je me retrouve bien. Hein. D'accord? Alors, vous faites dépasser un bout. Et vous voyez qu'on va avoir un surplus, mais ce n'est pas grave, on ne le verra pas. Et vous allez faire votre marge à un quart. Alors on démarre tranquillement. Vous allez bien suivre tout du long. Alors cette technique, vous pouviez très bien aller d'un bout à l'autre, hein, les bandes, hein, si vous voulez. Hein, vous démarrez. À ce moment-là, vous feriez juste un angle à 45 degrés. Avec le démarrage que je vous ai donné, puis vous continuez sans faire cette barre oblique ensuite. Mais bon, je trouve ça dommage parce que je trouve que ça apporte un côté charme, ce patch. Hein. Et je vais l'emmener, bah, écoutez, jusqu'au bout. Et je vais déplier. Et j'ai posé ma bande. Alors, hop. Voilà. Alors je fais ce côté-ci avec vous parce que c'est le côté le plus complexe, hein, parce qu'on n'avait pas démarré droit, mais pour l'autre côté, bah, le principe il sera le même, mais vous n'aurez pas de ligne à tracer puisque vous aurez à suivre votre tissu. Hop. Ensuite, on retourne hein, de la même manière hein, et on vient coudre ici pour maintenir. On prend notre petite paire de ciseaux, on coupe l'excédent. Et on conserve les chutes. Alors moi, vous voyez, un peu plus de gâchis, mais vous, vous faites en sorte qu'il y en ait moins. Hein, d'accord? Mais bon, moi, comme je récupère toutes les chutes, ça ne me dérange pas d'en avoir un peu plus. Comme ça, c'est des bons morceaux qu'on peut utiliser. D'autant plus quand j'en ai assez hein, donc, de cette bande. Hein. Donc la bande, elle m'a servi. Hein, j'ai coupé dans la longueur pour faire les deux. Hein. Donc c'est vous dire. Hein. On peut en faire pas mal. Hop. Surtout si vous reste des longueurs de tissu, vous ne savez pas quoi faire, ben, vous coupez les bandes et puis regardez ce qu'on fait. On fait quelque chose de joli ensuite. Ensuite, vous aurez compris que le principe reste le même. Alors, soit vous commencez par le rouge, soit pour le bleu, peu importe. Bon, là, moi, je vais mettre peut-être celui-ci pour qu'on le voit bien, parce que je l'aime bien. C'est les petites cloches là, de Noël. Donc, ce n'est pas les cloches de Pâques, mais voilà. À Noël aussi, on sonne les cloches. Hein. Donc ensuite, ben, pareil, hein, vous allez continuer. On vient de faire ce côté-ci. Alors, maintenant, on va faire l'autre côté. Alors, je me suis aperçue que j'ai oublié de faire ma ligne, mais comme je ne savais plus combien de bandes je devais faire, vous n'oubliez pas de reprendre ensuite le gabarit et de venir hein, toujours sur l'endroit comme ça. Hein, donc, on est toujours dans la face
et de venir reproduire et de faire cette médiane-ci pour pouvoir bien vous arrêter, puisqu'après on part dans l'autre sens. Donc il ne faut pas oublier qu'on va repartir dans ce sens-ci après. Alors, j'ai fait une petite bêtise, hein, mais bon, je vais l'enlever, puis après vous allez comprendre. Hein. Et il va falloir plus de 13 bandes, donc on va continuer. Alors je vais vous montrer, et puis je vais ensuite rectifier, enlever tout ce tissu qui est là, et vous allez très bien comprendre ensuite, lorsque je vais vous montrer. Eh bien, vous allez reprendre ainsi, hein, parfois bah, on est dans la précipitation, et on ne fait pas ce qu'il faut. Donc vous allez continuer comme ça, la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure en fait, hein. Vous mettez la ligne d'un côté puis de l'autre et puis ça va vous parler. Hein. Donc voilà. Alors moi je ne me rappelais plus combien de bandes j'avais fait. Mais au final, eh bien, je vous mettrai une photo à plat et puis vous allez les compter et vous aurez ce qu'il faut faire. Voilà. Et en fait, on va combler jusqu'à ce trou-là. Donc je le fais hors caméra et je vous montre le résultat. Voilà ce qu'on obtient lorsqu'on a fait tout correctement et j'ai défait ce qui dépassait pour pas que ça vous porte à confusion. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que lorsque vous démarrez, hein, vous n'oubliez pas de tracer et d'un côté. Et bien entendu, vous gardez toujours le gabarit dans le même sens. Vous venez tracer de l'autre côté aussi pour pouvoir vous arrêter correctement lorsque vous allez faire vos 16 bandes. Parce qu'au final, il y en a bien 16. Hein. Alors, je vais vous les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et on s'arrête bien dans cette ligne, puisqu'après, on va partir dans l'autre sens. Alors, j'avais un petit coup de fatigue, du coup. Hein, donc, voilà, j'ai dû rectifier l'erreur pour que vous puissiez bien partir correctement. Mais de toute façon, je vous mettrai une photo dans le patron. Donc, voilà, je vais mettre une photo pour que vous puissiez bien voir qu'on part bien ensuite dans l'autre sens. Vous voyez, là, on arrive jusqu'au bout, mais vous faites cette ligne. Alors, ce n'était pas une catastrophe si vous alliez jusqu'au bout. Hein, il vous suffisait ensuite de prendre le patron, de venir faire la ligne et vous auriez une surépaisseur. Mais bon, ça ne se verrait pas. Mais voilà, si vous voulez économiser du tissu et si vous voulez avoir le moins d'épaisseur possible, ben, vous n'oublierez pas de faire aussi la ligne avec le même patron dans le bon sens comme ça. Donc maintenant, on va repartir avec la bande. Alors vous voyez la ligne, hein, donc je l'ai bien tracée. Eh bien, vous allez... Alors, vous voyez ici, il manque un petit bout, mais ce n'est pas grave. Hein, vous ne venez pas combler hein, le petit bout qui manque. Hein, parce que de toute façon, on aura une arête à faire. Donc, ce petit bout-là, on ne le verra pas. Donc, ne remettez pas un petit bout de tissu, ça ne sert à rien. Ensuite, vous allez mettre bien en alignement, comme on a fait de l'autre côté. Hein. Vous allez donc maintenant venir coudre cette bande-ci. En vous mettant bien en alignement avec le trait que vous avez fait en amont. Alors j'ai dû avoir un coup de fatigue parce que je l'ai complètement oublié de tracer de l'autre côté. Alors tracez-le vous au démarrage ou alors lorsque vous arrivez à la 10e bande, n'oubliez pas de le tracer pour bien vous arrêter. Hein. Sinon, bah, vous irez jusqu'au bout, mais ce n'est pas un drame non plus. Hein. Hein, faut le savoir. Hop, et puis pareil, après c'est toujours les mêmes étapes. Hein. Me revoici devant mon plan de coupe pour que je vous explique les prochaines étapes et surtout pour que je vous explique bien comment vous allez obtenir un super patch comme je l'ai ici. Alors ce que vous allez faire bien entendu, hein, en amont, hein, donc vous avez compris qu'on devait tracer donc les médianes que je vous ai fait tracer sur le patron et ce que vous avez dans le schéma. Et bien entendu à reproduire sur le molleton de 86 cm de long. Vous faites bien attention de bien mettre les petites médianes et bien entendu de tracer de l'autre côté. Alors, de tracer de l'autre côté, je vous recommande de le tracer une fois que vous arrivez à la 10e bande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez, vous commencez à le tracer pour que vous soyez sûr d'où arrêter vos bandes, tout simplement. Et ensuite, bien entendu, il faudra reprendre dans l'autre sens. Et bien entendu, on ne change pas le sens du gabarit. On ne le met pas à l'effet miroir. Hein. Vous voyez bien que là, ça suit la ligne. Et si je le retourne ici, on suit bien la ligne. Et vous obtenez le résultat que vous avez devant vous. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez plier en deux votre molleton. Comme ceci. Et vous allez vérifier que ça correspond au gabarit. Donc là, moi, en l'occurrence, je n'ai pas de problème. Si vous avez bien travaillé, vous arriverez au bout. Mais tout dépend de comment va travailler votre molleton. Si vous voyez que votre molleton a tendance à s'allargir, eh bien, vous mettrez une ligne droite ici
et vous viendrez couper l'excédent avec votre cutter d'un côté et de l'autre pour avoir la bonne dimension. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez le mettre sur l'envers comme ceci. Vous allez prendre votre gabarit comme ceci. Vous allez bien le mettre au bord, bien centré pour que vous ayez une petite marge de chaque côté. Vous allez prendre un feutre. Là, je vous recommande de prendre un feutre friction effaçable à chaud. Et vous allez tracer votre gabarit comme ceci. Hop. Insistez bien parce que sur le molleton, ça a tendance à mal marquer. Et le feutre facilite quand même, hein, mieux que le stylo. Hein. On insiste bien, comme je vous dis. Et on termine par la petite latérale qui est là. Voilà. Et vous n'avez pas besoin de tracer l'arête puisque elle reste droite. Une fois que vous avez tracé un côté, vous allez prendre le gabarit, vous allez le mettre dans l'autre sens. Vous le mettez bien au bord ici. Vous faites en sorte que ça soit aligné. Si vous voyez que vous n'êtes pas bien ici, eh ben vous trichez, hein, vous rajoutez comme ça et vous rajoutez comme ça. Voilà. Comme ça, vous êtes sûr que vous êtes bien et vous partez bien. Voilà. Parce que mon molleton, vous voyez, est parti un petit peu légèrement de travers. Mais si ça vous arrive, ben vous faites comme moi, vous trichez légèrement. Vous voyez? Ça ne se verra pas au final. Hein, parce que comme j'ai défait les coutures au bout, ben forcément, ça a détendu un petit peu mon molleton. Mais c'est pas grave, vous voyez, vous ajustez comme ça. Et vous obtenez le traçage de votre plan complet. Ce que vous allez faire ensuite, eh bien, vous allez faire un zigzag tout le contour. Et je vous retrouve maintenant devant la machine à coudre pour finaliser le montage de ce sac. Voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a tout coupé le long du zigzag, quelque chose de propre. Vous allez ensuite prendre la doublure et vous allez la fixer tout simplement. Alors vous faites en sorte que ça tombe bien, hein, en face. Bon, si vous voyez que ça ne tombe pas tout à fait, vous trichez légèrement. Hein. Vous allez fixer la doublure avec des petites épingles. Alors moi, ce que je fais déjà un côté, comme ça, avec les épingles. J'essaye de tout bien mettre à plat. Vous voyez que malgré qu'on ait triché un petit peu tout à l'heure sur le molleton, eh bien, la doublure elle vient bien se cadrer. Hein. Alors vous avez quelques... Voilà, hein, il peut y avoir un petit décalage, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Voilà. Mais au final, vous devez avoir ce genre de choses. Sinon, vous réajustez. Hein. Vous coupez légèrement, vous réajustez votre doublure. Puis après, vous trichez sur la longueur. Hein. Donc, si le porte-bouteille a quelques millimètres de moins, voilà, hein, vous pouvez toujours tricher. C'est ça, la couture. Et d'autant plus quand on a un molleton. Je trouve qu'il est de moins belle qualité. Hein. Plus ça va, je ne sais pas. Ils doivent tirer sur les matières. Je trouve qu'il est beaucoup moins bien que celui que j'achetais avant. Pourtant, il est censé être identique. Voilà ce qu'on obtient. Alors maintenant, pour avoir quelque chose de bien propre, eh bien, on va coudre ce point-ci et ce point-ci. Alors, vous vous mettez comme ça, toujours avec un point serré. Hein. Depuis le début, je travaille avec un point serré. Vous vous mettez bien au bord et vous allez coudre la poignée si vous voulez. Vous obtenez ce genre de choses, vous retournez de l'autre côté et vous faites la même opération. Voilà ce qu'on obtient. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez retourner sur l'endroit. Vous faites comme ça, hein, vous prenez vos doigts, vous vous aidez, éventuellement vous prenez une petite baguette chinoise si vous le souhaitez et vous allez tout remettre sur l'endroit. Vous obtenez ce genre de choses. Alors, ce que je vous recommande de faire, avant de poursuivre, c'est d'aller bien repasser ici. Alors, pour celles qui veulent, vous pouvez faire des coutures. Moi, je ne les ai pas faites. Et honnêtement, quand on voit la stabilité de ma sangle, hein, puisqu'on peut appeler ça une sangle,
Eh bien, ça n'a pas bougé. Et pourtant, j'ai déjà trimballé la bouteille pour voir si c'était solide. Hein. Je me suis amusée chez moi à trimballer la bouteille pour voir si le sac tenait bien la route et si mes patchs étaient parfaits. Eh bien, moi, je vous recommande vraiment d'aller repasser pour que vous ayez quelque chose de bien à plat. On a tout qui est bien à plat. Eh bien, ensuite, on va prendre les deux parties externes comme ceci. Vous voyez ? Sans la doublure, comme ceci. Et on va venir faire ce genre de choses. Alors vous allez tout bien mettre en alignement. Alors je vous recommande de commencer par cette jonction, de bien les mettre en alignement comme habituellement, je vous montre toujours hein, comment on fait. Et vous allez mettre une épingle. Alors on n'est pas obligé d'être vraiment en face, mais au moins, voilà, vous les mettez bien comme ceci. Et ensuite vous allez soit épingler, soit mettre des pinces. Hein. Alors hop, c'est bientôt terminé, hein. Donc après je vais vous montrer les étapes pour un côté, et vous aurez compris que pour les arêtes, ça sera à faire à l'identique pour tout le reste. Hein. Donc voilà, hop, hop. Et puis vous allez maintenant, alors moi je vous recommande de commencer par le molleton, comme ceci. Et puis vous allez prendre votre pied de machine, hein. Ou la marge à un quart. Alors moi je continue toujours avec la marge à un quart, mais là à partir de maintenant vous pouvez prendre votre pied de machine, hein. Ici, hop 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 hop, je vais enlever mon épingle et je continue. Alors j'essaye d'être bien droite, hein. Hop. Et j'amène ça jusqu'au bout. Ce que je viens de faire de ce côté-ci, je fais la même opération de l'autre côté. Ensuite, on va coudre le fond. Voilà ce qu'on obtient. Ici, vous allez laisser une ouverture. Alors, vous démarrez à 4 cm. Hein. D'accord, à peu près. Hein. Ici, et pareil ici, 4 cm après. Hein. Et puis, vous allez... ce genre de choses. Alors moi je fais toujours tout à l'œil, hein. Hop. Et je démarre ici pareil, et voilà ce qu'on obtient. On a une petite ouverture pour retourner, mais c'est largement suffisant. Alors vous pourrez la faire plus ou moins grande. Si vous êtes, vous voulez une plus grande ouverture, vous pouvez la laisser sur le côté si vous voulez, hein, d'accord, au lieu de la laisser ici, vous la laissez ici comme vous voulez. Mais bon, moi je préfère les laisser dans le fond, parce que dans le fond, eh bien on ne les voit pas. Et c'est quand même beaucoup mieux comme ça. Ensuite, vous allez prendre une règle à patchwork, peu importe. Alors la mienne c'est une 10 par 10. Eh bien, vous allez vous mettre à partir des coutures 3 cm. Vous voyez? On a la couture qui est là, la couture qui est là. Eh bien on fait un petit carré de 3 cm. Vous prenez un feutre. Alors moi c'est un feutre aqua de chez Prime, hein. Donc il s'efface à l'eau, et puis il existe un effaceur, éventuellement je vous le mettrai en lien, parce qu'il est vraiment bien, parce que ça efface bien avec l'eau. Voilà. Hop, et puis là pareil, hein. Hop, et puis vous faites pareil, la petite diagonale, hein. Et vous faites ça de l'autre côté aussi. J'ai donc fait toutes les arêtes, hein, d'un côté et puis de l'autre, et puis la petite diagonale. Je mets la main à l'intérieur de mon sac. Voilà, hein. Pour essayer de mettre bien tout à plat, vous voyez, mettez votre pouce à l'intérieur, et puis ensuite vous faites ce genre de choses, vous écartez la couture. Alors ce que je fais, ça sera à faire pour toutes les arêtes, hein, donc je vous en montre qu'une, mais vous aurez compris que c'est le même procédé pour tout le restant, hein. Ici et puis ici. Et puis vous allez coudre sur le trait. Voilà pourquoi je mets cette diagonale, pour qu'on puisse coudre sur le trait ensuite. Hop. Vous gardez tout bien à plat. Et vous obtenez ce genre de choses, vous voyez? Quelque chose de propre. Bien entendu, vous faites la même opération pour toutes les autres étapes. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, les arêtes sont toutes faites. Avec mon petit carré de 3 par 3. Vous allez ensuite prendre... dans ce sens, comme ceci,
et vous allez ramener la doublure comme ceci. Comme ça, lorsque vous allez enlever la bouteille, eh bien la doublure ne viendra pas avec la bouteille. Vous voyez que ça la fixe en fait. Vous faites moins que... Vous ne repassez pas sur la couture hein, de l'arête. Vous voyez, on voit bien le trait bleu hein, donc de l'arête. Vous voyez, à côté comme ça. Comme ça, ça fixe comme ça. Vous prenez l'autre comme ceci. Voyez, voyez, vous êtes droit ici là. Eh bien, vous faites comme ça. Et vous la ramenez de l'autre côté. Pareil, hein, moins qu'un pied de machine. Alors ça fait un truc tout bizarre, hein, c'est normal. Hein. Et puis ensuite, bah, vous allez retourner par l'ouverture. Alors vous avez la poignée. Et puis ça va vous faciliter l'ouvrage. Hein. Alors j'ai pas eu besoin de sécuriser la poignée, mais vous, si vous êtes moins à l'aise, vous pouvez sécuriser la poignée avant de faire toutes les étapes de couture. Vous voyez qu'ensuite, eh ben, tout vient bien s'ajuster. La doublure, eh ben, elle ne bouge pas, hein, elle restera bien fixée au fond. Ici, si vous voulez garder un sac recto verso, bah vous fermez avec un point invisible. Donc moi, je viendrai le fermer plus tard. Hein. Voilà, ici, là, un petit point invisible et vous êtes tranquille. Et sinon, ensuite, vous n'avez plus qu'à retourner et admirer le beau petit résultat. Voilà. Voilà. Et on a quelque chose de très 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 propre, vous voyez. Alors essayez de prendre un tissu qui n'a pas de sens hein. Voilà, moi il n'avait pas de sens hein. Mes cloches, il y en a d'un côté puis de l'autre. Alors là bien sûr il est tout raplaplat hein. Je vais vous prendre la bouteille, elle est grosse celle là et regardez, et on obtient quelque chose de parfait. Donc là il est un petit peu voilà hein. Un petit peu raplaplat parce que bon, il n'est pas encore bien en place. Je vous mets les deux côte à côte et voilà ce qu'on obtient. Donc je vous retrouve maintenant pour le petit mot de la fin. Alors à tout de suite. Eh bien j'ai terminé le cours d'aujourd'hui. On a réalisé un super sac avec une belle technique patchwork que vous pourrez adapter sur d'autres de vos créations. Parce que cet effet-là, vous pouvez bien entendu l'adapter sur un sac, pourquoi pas, ou une trousse. À vous de voir, puisque maintenant vous avez tout ce qu'il faut en termes de technique pour la réaliser de nouveau. Je vous retrouve donc la semaine prochaine avec un nouveau projet qui j'espère va vous enchanter. Et en attendant, vous n'oubliez pas, hein, à vos aiguilles.